Contact Pro Live. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans un nouveau numéro où nous allons encore partager nos idées, nous allons encore partager nos points de vue sur la marche de notre chère République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre 2021, un nouveau mois, nous sommes encore petit à petit en train d'acheminer vers la fin de cette année 2021. Et les choses ne bougent pas du côté de l'Est. La guerre reste permanente, l'insécurité reste permanente là-bas. Et puis, les cacophonies continuent toujours à être entretenues à Kinshasa. Donc, les choses ne bougent pas dans le sens où le peuple peut sentir qu'il y a un certain changement. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, mes chers amis? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est le plus fondamental, c'est l'ordre. L'ordre public, l'ordre dans les institutions, la constitution elle-même. Si l'ordre n'existe pas, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire dans la cacophonie. Nous allons parler de l'ordre. Bandeko biso toza na bamboka awa en Afrique du Sud. Eza na biloko mususu tango tala kabolobi mais est-ce que chez nous ceci peut se faire? Et loko nini yango zo zanga biso pona tosa la biloko oyo ya simple boy. Des petites choses qui font quand vous arrivez dans un pays, vous allez sentir vous-même que en tout cas je suis quelque part ailleurs. Mais les combles n'est que quand nous allons au Congo, lorsque nous sommes au Congo, oyokaka donc on dirait aux ana monde mususu. Moi par exemple, lorsque j'arrive au Congo, je suis pratiquement comme si j'entrais dans quelque chose qui un prison que je n'arrive pas à expliquer. Les gens sont méchants. Les gens sont demandeurs partout. Vous voyez les gens qui sont crispés, les gens qui ont l'argent même, qui fouillent les autres. Babilo kwana nyonso uta na Congo. Ninyango, à la base, c'est l'ordre. Nous allons parler de l'ordre aujourd'hui. Nous allons essayer un peu de voir d'où vient notre malheur. Malheur na biso uti wapi, ordre za la kate bandeko. Et vous allez voir ça dans les institutions, vous allez voir dans la constitution même, vous allez voir même le peuple et les dirigeants, nous le peuple congolais et les dirigeants. Le peuple congolais, to lingana kate. Mais comment est-ce que nous pouvons vraiment nous dire que nous pouvons construire un pays s'il n'y a pas d'ordre, ce qui est ordre zate. Et tout ça, le peuple se retrouve, il y a une partie de ces gens-là qui se retrouvent dans ces désordres et qui veulent à ce que désordre doit continuer. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet qui est l'ordre en République démocratique du Congo. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-nets.com. À Beni, une trentaine de morts en une semaine. Et puis, dénouement de la crise à l'SNCTP. Les agents perçoivent 2 mois de salaire dès ce mardi. On va sur actualité.cd. Signature des contrats de partenariat FMP, ASBL et puis COPEC. Soutien à la protection et à la gestion durable des forêts de bassin du Congo. Une dizaine de pays annoncent à Glasgow une contribution collective de 1,5 milliard de dollars. 7 sur 7. Kassai, un député, demande l'existence d'une mise en accusation contre le président de l'Assemblée provinciale. Puis saccage du siège de Sinekat, la voix sans voix invite le gouvernement à punir les auteurs d'une fois identifiés.
Et puis Radio Okapi, retour volontaire des 400 Congolais de la diaspora au IEM. Et puis élection de gouverneur, un seul candidat enregistré au Maniema à la Tchopo. On termine par actualité point 30, actu 30. Kasaï Central, 30 journalistes formés pour la justice de cohésion sociale entre les déplacés de guerre et la communauté. Grève à l'SPT et puis Ituri, 3 civils tués dans une attaque des ADF à Mambasa. C'était ce matin. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, chers amis, pour nous introduire dans le sujet de la Bissoua Lelo, nous allons l'introduire par une certaine illustration. Illustration moko kaka na régime oyo na lobité que nazo condamné ngo mais na zuika kango comme exemple. Ce n'est pas que je suis contre le régime ou quoi que ce soit, mais je vais vous mettre le fait qui va illustrer le désordre. Et que désordre on a biso moko ba congolais tozo entretenir yango. Et moi je me pose la question, ce qui entretient le désordre comme ça, jusqu'à faire adopter Babiloko Tina Baloua et Communauté Loi, c'est quoi ce désordre? Nous savons d'abord, tous les niveaux écolo, nous sommes là au niveau y a cour constitutionnelle, nous sommes au niveau de la présidence de la République, tous les niveaux de dirigeants. C'est là où je me suis dit, nous allons prendre les dirigeants et le peuple. Batu oyo basengeli bazwaka mibeko. Ce sont des intellectuels, ce sont des professeurs d'université, baza batu oyo batanga bato bazana na voyage pe. Parmi eux ici, ceux qui viennent même de l'Afrique du Sud ou okosala likambo te son ke ezalana donc ordre zali. Pour être député, il y a des députés indépendants et il y a des députés oyobautaka na katia ba parti politique qui sont envoyés au parlement par des partis politiques. Bandeko, nous avions assisté tous na transhumance oezalaki ba Janine Mabunda ba Kei tout ça. Le désordre dont je veux parler ici ezanini. Bandeko, yo koki kokota na parti politique te, okomi na kati ya parti politique, okomi sikoyo, kokoma na ba ide na omusus. Okokuta batu, ce sont des regroupements politiques. Mais vous avez tous suivi que non, pour que batu bazala na majorité parlementaire, on a dit prendre des textes à le faire analyser à la Cour constitutionnelle pour les rendre ezala officiel. Cour constitutionnelle est comme était Eza na merci yabato bazana pouvoir lelo et acte loko wana etie yango lobi to juger mutu na mutu député na député aza li sousou lié na ba autorité morale. Ils appellent ça autorité morale. Pandeko, ça quand je vu ça na tango naza komona ba professeur d'université baza ko défendre o eloko oyo. Et ça peut être ma voix parce que on s'est dit finalement les lots au rico la mouka au commun ayon n'engo zal au commun on n'engo au rico sale. Si tu veux être enseignant aujourd'hui, tu peux te réveiller n'engo kaba pasteur bala mouka comme pasteur à comme côté n'engo kaka biso peto la mouka koza aujourd'hui caméra au tia kaka au commun kolobaloba n'engo nazoloba awa pour vivre bat bayo kangai. Même si je ne suis pas. Donc il y a des désordres qui ont été entretenus déjà dans Moutou et dans les dirigeants de Bissau. Si toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui en République démocratique du Congo et Zakokoma, c'est parce que quelque part, à la tête de notre pays, ceux qui devraient nous guider, ont failli à leur mission. Bandeko, comment expliquer qu'un pays peut avoir plus de 200 chaînes à télévision. Et misous ezako botama donc ordre ezate. Aujourd'hui si tu as l'argent en République démocratique du Congo, okoko sale loko nyoso to lingi.
Mboka na biso ko kene nengi wana te. Mboka na biso ko kontinye nengi wana te. Awa ba televizyon wana ezali, me, baza na ordre. Baza na ordre. Tu ne peux pas aujourd'hui te remettre sans que olamu ki lelo ka kolobite nga na fungoli televizyon. Eza processus ya moulayi. Ça c'est quelque chose ya kaka tozo lobe ya kaka. Eloko moko ya nengi wana. Donc, ba député na biso pour revenir au parlement parce que toza koko eloko wana balobaka since la tête est déjà mauvaise la queue ne sera pas bonne. Donc ce qui déjà na château d'eau ezana na mai ezaya mabe na robinet ma ya malamu pimate, ça montre que déjà dans nos dirigeants sont déjà déphasés ainsi que biloko nyonso komi nengi wana. Désordre est un domaine nyoso. Nous n'avons pas un esprit à koloba que nous tous allons à ordre. Bandeko, kende na Rwanda, tozo loba lelo Rwanda, Rwanda, dictature, tout ça. Mais non, ce n'est pas une dictature, mais il y a un homme qui dit que non. Soyons d'abord en ordre. Même à ta awa, bozo yo kalobia awa, ezala ki ba élection. Mais au côté la ordre nini yango batu bazala kanango, tu vas te dire que batu oyo vraiment ataba okiko faillir quelque chose. Mais ça ce sont les basiques ba éducation de base. Okokuta batu na banque bazana mulongo, okuta batu na arrêt bazana mulongo, ezala na train batu bazala kana mulongo, tout le monde respecte l'ordre mais e pa na biso. E bandi na mutu. Ça commence par la tête. Le désordre règne dans tous les départements, tout, partout il y a du désordre. Si koyo, awa na contact pro life to lobaka, to pesibino illustration et loko moko, parce que nous voulons assez que l'ordre est ordre moko eza. Na kati ya désordre, to oyoko bongisa mboka te. Na kati ya désordre, to oyoko koyeba te nini yango salemi, nini yango salemi te. Parce que partout il y a du désordre. Moutou na moutou, azako luka, moye na ndenge na ye. Ti le lolo, même en tant que zolo, ba na désordre ango. Bota la bino moko ba négociation oyo, ba gouvernement ezako sale ana ba enseignant. Partout il y a du désordre. Boko yo ka, oh non, lobi lendi, nani, ba na ba zongi to drop grève, sili, tout ça. De l'autre côté, voir Moussous, oh, t'es biso kuna. Donc les gens ne s'entendent pas. Batubaza koyo kanate. Ça, c'est la racine de notre mal. Mal na biso ba Congolais angwana désordre. Na désordre, oh, on ne peut pas faire respecter la constitution. Na désordre, te correspond. Moutou na moutoye bi. Moutou na moutoye bi. Tout le monde sait. Oyiko za la président te sans que oyé o lelo botami otanga te okyokoma président na o tala mota la bino moko ministre ye moko aza ko s'embrouiller o po kota na médecine foza la na 70% tandis que toyebi ke ba 70% ya ba école mususu désordre ba diplôme na eyiba e somba maka. Donc le mal est tellement profond, c'est là où il fallait que commencer. Bandeko, on va faire comment maintenant pour remettre de l'ordre? Focus penza ya liboso otoza koloba. Au président, il fallait se focaliser dans nous, na eloko wana. Comment est-ce que nous pouvons remettre de l'ordre? En fait que na kati ya ordre wana nde batu bakozala na bomoko pona ko construire mboka. Toko kozala lingomba te tozala na mtu na mtu na vision na ye. Ya ngono za komona ke batu nyoso tu bazolo ba vision ya mokonzi. Vision ya mokonzi. C'est comme si il n'y a qu'une seule personne qui peut réfléchir. Pourquoi? Parce que il y a partout du désordre. Congolais na Congolais toza koyo kanate. On ne peut pas se mettre ensemble pour construire quelque chose. Quelle est la solution? Na partie au total nanu. Solution ni na moto ki ko mettre en place pour remettre l'ordre à ce que Batunyo surtout bazala na vision pour tolobi mboka na biso vision na yango il faut na 2030 par exemple tozala mutokuki ko tonga balabala à partir ya Kinshasa azokende TR
auti Kinshasa na balabala keiti mo ba imbongo mtu mso akuta Kinshasa ti kasumbalesa na balabala sur des autoroutes comme ba tumsusu ne ba zotonga na bamboka na bango mais biso sikoyo nini yango ezo zanga qu'est-ce que par où commencer pour que tu remettre ordre c'est là le place on ande zali ezali challenge mo ya makasi oyo ba konzi na biso o bazana pouvoir il faut ba bandela bandeko ngana ebisa kibino toujours que ngana ko s'éloignaka jamais na likambo oyo parce que organiser disons la population au niveau de la base afin que babanda kozala na esprit wana ya kosala 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 eloko moko ensemble na kati ya ba village baye baba monument na bango ba biso totonga awa il faut tout éloigner eloko wana ya koloba eza ya mutu tel eza ya mutu c'est ça le désordre c'est là où naît le désordre alors mutu nyonso ko bandozala kaka non ngai kombo na ngai fo non taisons d'abord les noms des gens. Reconstruisons nos communautés. Reconsidérons nos communautés. Bandeko, ta on a za koloba na bino na lobi, le pouvoir de la communauté a été dérobé et mis dans le système unitaire. Na loba kango pambate. Parce que aujourd'hui, quand vous arrivez, même le chef de secteur, il ne sait pas ce qu'il peut faire. Ba chef à secteur, pourtant, bazali. Ba chef à ba groupement pourtant bazali notre pays a une structure qui existe mais comme nous ne voulons pas cet ordre là ton néglige ka ba structure wana bon comment na bino moko na kati ya seni o eza ko salema baza ko linga ba sale loko moko boye neti existe kate on va faire fi à tout ce qui n'est pas ba kondimate ko yo ko reconsidérer que non est-ce que nous ne pouvons pas travailler avec le groupement pour l'identification, pour l'identification et le recensement. Non, ba kolinga ba créer loko na bango na Kinshasa parce que ba kolinga ba twana ba kende kosala ba biloko wana kuna ils ne vont pas vouloir travailler avec les entités locales ou bien les unités de base. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette intention là, il y a qu'à mettre ordre là-bas. Il faut mutu na mutu place à Zali. Aye balabala oyo eza balabala ya biso awo eza village na biso eza village ya mutu moko te ke awa nde chef mutu tele mbo nde mutu abongiselaka biso boye ekosilaka yango wana tozomona ekokende na kati ya batemps te ce qui voyage dans le temps et qui dure c'est ce que la population la communauté a construit si le pays l'Afrique du Sud lelo oyo eza kokontinue ce n'est pas Mandela qui a construit ce pays. Mandela ekokuta eza na esprit ya ko babalabala oto tambolaka nango awa ça fait plus de 20 ans naza na kati ya mboka oyo nayoka te ke non balabala wana eza mutu tele mutu abongisa yango te c'est la communauté nde wana nde perpétue bato bakoleka mais les institutions vont rester mais soki to identifie ba institution wana sikoyo tokole yango na mutu ça c'est du désordre.
Mutwana kokbandomona on dirait ndenzambe. Bandeko, nous devons prendre des décisions ya kobongisa mboka na biso. Il est grand temps. Il est grand temps ya kobongisa mboka na biso ya koloba ke non. Mboka na biso to tia yango batu moko mutu moko ya koloba te ke non biso nde baluba biso nde to sala ka boite. Eloko wana to tia yango na wa kote. Soki to bandi ko sa ko tonga mboka ezala ke que la communauté gagne. C'est pour cela que nous disons que la voie la plus facile ya kobanda kotia ordre na mboka na biso, c'est de réorganiser la base. Ya ngona na émission passée na lobaki na lobi, ba système o unitaire est échoué na ngo parce que nous tendons à déifier les gens. Ya kokanisa kaka mutu oyo nde mokonzi ndende tata mokonzi ba biloko wana ça c'est de la et ça de passé. Nous devons avoir l'esprit humanitaire. Ya mona lobaki na lobi mutu moko atuna inga lobi mais pourquoi yo za ko lobande wana oza tribaliste lobi te tant que nous ne considérerons pas les tribus que ces entités de base de notre pays comme dit la constitution. Batouana bazana mabele na bango to pesto remettre pouvoir na batouana bazala en contrôle ya papa babilo kwana parce que aujourd'hui si nous pouvons respecter les chefs coutumiers, les chefs coutumiers a été respecté depuis longtemps mais mundele eko yeb sabiso que nos chefs coutumiers azana valeur té. Vous voyez donc nous avions négligé notre identité. Maintenant pour remettre de l'ordre, ça devrait venir dans les états de lieux de territoire. Place batunyoso bakosangana, bakotia ba maele na bango ensemble bakoloba bande komboka na biso finalement tozo kende wapi parce que tozo bunda ba tiwerie et pas corruption et pas mboka toza kobongisa ngote. Tandis que awa toza na ma or toza na ni tant que le peuple à la base ne prendra pas conscience à koloba que non. Nous ne pouvons pas évoluer sans que nous-mêmes nous prenions en charge. Et c'est ça que Tambo Tshisekedi wa Mulumba bandeko lobalobi, le peuple doit se prendre en charge en se disant que non, eza mutu mususu te mutu akouta libanda ya kobongisa l'élection mboka na biso. Biso moko awa, nous sommes déjà, nous avons le sang rouge, nous avons la force, tozana ba minere, tozana pouvoir ya ko s'organiser. Na kosala biloko nyonso. Soki tozozela akaka ke Kinshasa atinda ka batu bakenda kosala contrôle kuna, nous n'aurons pas fait de changement. Toko émulser changement tel en kati ya mboka na biso. Je n'ai pas été explicite parce que je veux m'arrêter ici. Ordre est nécessaire. Et l'ordre ne pourra venir que lorsque les gens vont se mettre autour d'une table ya koloba. Nous avons échoué dans tout ce que nous faisons. Et nous pensons, le président Félix Tshisekedi aujourd'hui a ce pouvoir-là, yakoloba bandeko, to arrêter na lobabiloko tozo kende mabe, to rebongisa mboka na biso batu na batu, ba bongisa nanu epa na bango. Biso nyonso toza obligé toza l'ensemble mais que mutu na a se prendre en charge a kombola na liboso ndako na e pour que balabala o eza na ya biso nyonso e bonga balabala o ya biso nyonso ko bonga ka te soki biso nyonso tozo bwaka bafulu na liboso ba lupangu na biso non e ko bonga ka te. Donc j'appelle vraiment à ce que les gens qui me suivent et qui sont en train de me poser les questions sur les états de lieu de territoire. Ne copiez pas bandeko. Si vous copiez, ça ne sert à rien. Demandez plutôt à ce qu'on vous explique comment ça peut marcher. Les états de lieu peuvent marcher et que vous pouvez faire des colombo canabiso, yako tiabiso ensemble et qu'on divisa kabisote. Jamais qu'on divisa kabisote. Conflit au ezana côté ya sud Kivu kuna. C'est parce que na Kinshasa ba pour alimenter ba conflit wana ba nyamulenge ba tout ça. Nous n'avons jamais eu de ce problème avec les gens là-bas. Mais si dès l'état on avait eu cette occasion à Kolobano, to s'identifier, to yeba nani aza nani, nani asala kanini, ce problème là n'aura pas existé. Ba twana ba kukai ko vivre na bango, mais lorsque le désordre est venu, et yena ba makambo nyonso tout.
Voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter encore là. Je vais dire merci en tout cas à tous ces beaux mondes qui sont en train de nous appeler pour chercher comment nous allons. Je vous rappelle encore que nous sommes en train de faire un projet, je crois, vous allez le remarquer à partir du mois de mars, avril 2022, où nous allons lancer pratiquement ce projet. C'est un grand projet et c'est un bon projet qui va vraiment vous émerveiller. To pesa ngoka ka maboko bo pesa bo chabiso na mabonze boneli ke non projet na bonga parce que ekozala kitoko ekozala bien contact pro live na biso ko kende liboso. En tout cas, continuez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, continuez à partager nos émissions, mettez des j'aime, en tout cas ça nous donne beaucoup plus de visibilité et que mama kambo otoza koloba o ba pebele baza ko tiaba j'aime. Et qui peut réveiller conscience à Batumsou, par exemple, ceux qui sont en train de m'appeler pour que n'expliciter. J'ai été content parce qu'on m'avait demandé d'expliciter les états de lieu, comment est-ce que qu'on réunir Batou. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est une idée que je mets. Batou, on va y aller, on va dans la carte à projet, on va y aller, comment est-ce que l'unité nationale est au besoin, dans la carte à Bahanani, il y a état de lieu, il y a territoire. Merci beaucoup, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.